Dernière concurrente, la star Maria Petrova pour la Bulgarie, déjà médaille d'or au cerceau, mais qui n'a pu réussir un exploit au ballon, ni au massu, puisque c'est Loukianenko qui a remporté deux médailles d'or. Alors, est-ce le moment, en 1 minute 30, pour Maria Petrova de réaliser un exploit pour clôturer cette Coupe d'Europe de Malaga? Autour du corps, en tourbillon, c'est superbe. Là, autour de ce ruban, des performances qui vous apparaissent peut-être anodines, mais croyez-moi que réaliser cela alors que le ruban doit toujours tourbillonner dans l'espace, c'est extraordinaire de maîtrise, et surtout avec l'expression corporelle en permanence souriante et envoûtante. Maria Petrova sera donc la petite princesse à Malaga de la gymnastique rythmique et sportive. Elle remporte deux médailles d'or au ruban et au cerceau, plus la médaille d'or du concours général, victoire totale en Coupe d'Europe 1993 en Espagne. Mais l'an prochain, au mois d'octobre à Bercy, vous risquez et vous avez toutes les chances d'apprécier tout son talent. Elle peut devenir championne du monde à Paris.